président du PC a annoncé ce mercredi sa démission du conseil régional. Le maire d'Annemasse a fait part de sa décision ce mercredi après-midi. À un an et demi des élections municipales, l'élu souhaite se recentrer sur ses mandats locaux. Christian Dupécé avait été élu au conseil régional en mars 2010. L'annonce de sa démission intervient alors que le groupe socialiste et démocrate est en tournée pour présenter le bilan à mi-mandat du conseil régional. Il tente d'alerter l'opinion en évoquant le vrai bilan, selon eux, du président Laurent Wauquiez. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Moins d'un mois après la parution d'un fascicule de 36 pages et intitulé « Alerte, la région coule », le groupe socialiste et démocrate de l'Assemblée régionale persiste et signe. En effet, ce mercredi, Jean-François Debat, leader de cette opposition, a tenu à se rendre à Annemasse dans le cadre de sa tournée régionale pour réaffirmer ses critiques à l'encontre du bilan de Laurent Wauquiez. Il y a 12 départements plus la métropole de Lyon dans notre grande région et je me rends avec mes collègues dans les départements pour présenter le bilan de mi-mandat de Laurent Wauquiez. Et ce bilan n'est pas fameux parce que Laurent Wauquiez nous parle d'une chose, des économies budgétaires qu'il a réalisées. Ce que nous constatons, c'est que la région est au ralenti. Les économies budgétaires, pour la moitié, c'est la baisse des aides aux chômeurs, à la formation des chômeurs. La moitié, ceux qui payent la facture, ce sont les chômeurs de longue durée de notre région. 40%, ce sont les associations, les communes, les acteurs du territoire qui n'ont plus de subventions. Et puis pour moins de 10%, ce sont les frais administratifs de la région. Une réunion au cours de laquelle Christian Dupécé, maire d'Annemasse, a également annoncé officiellement sa démission du conseil régional. Une démission qui, selon l'élu, lui permettra en un premier temps de se recentrer sur ses mandats locaux à peine un an et demi des prochaines élections municipales. Lors de l'élection de 2015, je m'étais engagé je conduisais la liste départementale dans l'équipe de Jean-Jacques Erhan et je m'étais engagé à démissionner à mi-mandat pour laisser la place à de nouveau ceux qui seront à même de mener la bataille pour reconquérir la région en 2021. Donc ma première raison, c'est que je tiens mes engagements et que je salue l'arrivée à la région de Jean-Baptiste Beau, qui, bien connu dans le Chablais, et qui sera donc conseiller régional dès le mois de décembre. Autant je quitte la région avec du regret par rapport à ce que j'ai pu faire dans le mandat précédent aux côtés de Jean-Jacques Erhan, autant je ne regretterai pas le président actuel. La conjoncture de cette démission est bien entendu très liée à l'exaspération de l'opposition au sein du conseil régional, qui entend ainsi continuer d'alerter l'opinion publique sur son discours et ses critiques vis-à-vis de Laurent Wauquiez. La station